Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Terrebonne. Et oui, on s'en va faire la grande marche Pierre-Lavoie de 5 km. Et pour nous, c'est notre première fois qu'on participe à ça, alors j'ai super hâte. Ça se fait dans la Transterrebonne et c'est très beau la Transterrebonne, si vous connaissez ça. Alors on va vous filmer ça, on va vous montrer ça. Super hâte. Et aujourd'hui, en ce dimanche, il fait 16 degrés, vous imaginez? Il y a du monde en short, là, c'est incroyable comment il fait beau aujourd'hui. Et c'est une belle journée là, pour ça. Et cette marche-là se fait à travers le Québec. Si vous n'êtes pas au courant, là, tu peux autant le faire en Gaspésie, en Estrie, à Montréal, ici, c'est vraiment partout. Ah, il y a de l'animation là-bas! Et voilà, on a reçu ici un superbe beau cache-cou disant la grande marche qui est juste là. Super! Et là, on est en attente. Ça ressemble à ça en attendant. On pouvait venir marcher avec Pitou. C'est ça qui est le fun! Je voulais vous montrer, regardez les belles couleurs, c'est beau, hein? Même ici à Terrebonne, eh oui, c'est beau! Voici le banc en planche à roulettes, oui. Je vais essayer ça, m'asseoir sur une planche à roulettes. Confortable, très très confortable. Je roule! Bien, il y a de l'eau et avec un verre en plastique du 350e de Terrebonne. Regardez, il est beau, hein? Avec ici des onces. Tadam! 30 minutes avant le départ. C'est beau! Nous sommes la compagnie de Sir Nacho con Salsa et on vous a prévu. C'était prévu comme ça en plus. On vous a préparé un petit workout avant de prendre votre marche parce que c'est par sécurité. Vous allez être bien réchauffé et comme ça il n'y aurait pas de blessure pendant tout le parcours. Ça va être incroyable. Musica maestro. Alors vous pouvez nous suivre ou pas. Ok, tout le monde, les mains, j'attends le départ, je suis en dessous de l'arche. Et c'est parti pour la grande marche de 5 km. Tu veux pas quelqu'un qui est là? Tu veux pas? 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 Tu veux pas?
C'est vraiment là, super beau là, le jaune de même. Il n'y en a pas trop à faire, il y en a encore dans les airs. C'est super. Et on a 1 kilomètre de fête! Et on a gagné 1 degré. Il fait 17. Ils sont chanceux, ça, autant. Des encourageux en auto. Là, on va faire pas longtemps, mais dans les rues du quartier. Et ensuite, on va retourner dans la mini-forêt, dans la Transterbonne. Allô, Pito, allô, allô! Un pitou qui m'a encouragé. Me donner un bec sa main, il est fin. Sauf que le monsieur, il sait pas, mais c'est parce que nous, on est dans les premiers marcheurs, là. Puis t'as un méchant groupe qui s'en vient en arrière, fait que il sait pas, mais. Le pitou va dire bonjour à bien du monde. On vient de monter. On vient de monter une grosse côte. On est les troisièmes. Ici, un auto. La police, regardez le monde qui s'en vient, qui arrête la circulation au besoin. Regardez la côte qu'on vient de monter. On est essoufflés. Tout le monde s'en vient dans le bas, là. Oui. La dernière fois, 2 kilomètres! 2 kilomètres! Youhou! La dernière fois qu'on a passé ici, c'était pour notre fameux bike and run. Oh, c'était quelque chose. C'était très difficile pour nous. Des côtes de fou. Ici, un autre décor. Là, la Transterbonne, toujours. Et on approche de 3 km. Ici, tadam, 3 km. Wouhou! Et on continue. Et puis ici, évidemment, c'est un bel endroit pour faire du jogging, du vélo. Ici, on tourne. Ça ici, on la connaît pas, ce bout-là. La rue ici. On voit quelques personnes au loin, à peu près ici, qui marchent. Eux autres, ils ouvrent la marche. On n'est pas loin. Mais le problème, c'est qu'ils s'éloignent tout le temps. On vient de tomber 4e. Mais je tiens à connecter, il n'y a pas de chrono, je crois. Pas de prix, pas rien. Je dis ça juste pour le fun, tu sais. Et on a 4 kilomètres!
Ça va toujours bien. Ta-dam! On tient le rythme. Puis quand il n'y a pas personne, on suit ces panneaux-là. Ah, OK, OK. Regardez, là, on va descendre. Qu'est-ce qu'on a monté tantôt? On avait monté là, puis on avait traversé ici la rue, puis on avait rentré là. Ça va vous donner une idée. Fait que c'est tout ça qu'on avait monté. Tranquillement, on se rapproche de l'arrivée. Je sens qu'on est très proche. Ça sent à l'arrivée. Ça sent. Donc, si vous en avant et qui marchez en avant de nous là, et que vous regardez notre vidéo, juste pour vous dire qu'on n'a jamais été capable de vous dépasser parce qu'on marche exactement à la même vitesse. Ouais, dans les côtes, dans les montées, tout. Ça sent la fin. On n'est pas habitué d'arriver dans les premiers. Dans la course, c'est pas pareil. Ouais, wow, c'est tranquille! Il n'y a pas d'ambiance! Et voilà! Bon! Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir! Yeah! On a réussi! Et voilà! Yeah! C'est fait! Je peux se permettre de prendre le temps pour regarder. Et avec ça. Donc, notre collation, c'est une bartende. Le choix d'une pomme ou d'une bartende. Yeah! Fait qu'on a fini cinquième. Cinquième, les amis. Oui, c'est une belle expérience, mais faut pas comparer à quand vous faites des courses, ok? C'est différent, c'est sûr, là. Alors, on a les autres qui arrivent tranquillement. J'ai fait le 5 km à Montréal, c'est vraiment, au niveau de spectateurs, c'est très différent. Ah voilà, c'est une très belle journée, 17 degrés, c'est vraiment bien. Belle expérience! C'est pas alors on danse, alors on marche! Bye les amis, bye! À la prochaine!